Bonjour, c'est Nicolas. Bienvenue dans un nouvel épisode du Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je vais vous présenter Last Man, qui est une sorte de manga français que j'ai découvert il y a très peu. Donc là, je vous présente le tome 6 parce que les autres tomes ont... Le premier tome a été emprunté. Le tome 6, qui au passage a été récompensé par un prix de la série à Angoulême. Je suis un adepte du rayon Bulle à la médiathèque de Saran et à la recherche de nouvelles BD, j'ai été conseillé par Pauline de la médiathèque qui m'a vivement conseillé ce manga à la française, c'est-à-dire qu'il se lit à l'endroit. Il est en noir et blanc et on peut y suivre les aventures d'Adriane et de sa maman Marianne qui vivent dans une sorte de vallée qu'on appelle la vallée des rois, qui vivent en dehors du temps, à la façon un peu du Moyen-Âge. Adriane veut participer à un tournoi de combat en duo, donc il s'entraîne durement dans l'école du chêne. Voilà, il y a plusieurs écoles, on retrouve un peu l'univers de Dragon Ball Z dans ses combats en duel. Et du coup, il se prépare pour ce tournoi. Et malheureusement, son coéquipier, trop stressé de participer à ce tournoi, va déclarer forfait, tomber malade à la dernière minute. Du coup, Adriane, très déçu, décide de ne plus participer. Et au dernier moment, in extremis, arrive... Richard Aldana, c'est... moi, il m'a fait penser vivement à Nicky Larson, qui est une sorte de grosse brute, on va dire, un peu maladroite, bourré d'humour, très attiré par les femmes. Et du coup, lui, on ne sait pas d'où il vient, d'où il sort. On sait qu'il a un look un peu différent des gens de la cité. Il vient pour participer au tournoi, mais n'est pas au courant vraiment des règles, il ne sait pas qu'on doit y participer à deux, voilà. Et du coup, Adriane et Richard s'inscrivent tous les deux à ce tournoi. Il s'avère qu'Adriane, malgré tous ses efforts, est un piètre combattant. Il n'a pas toutes les techniques des maîtres des écoles. Et du coup, c'est voué à un échec, mais grâce à Richard, qui lui est un surdoué de la boxe, ils vont vivre un tournoi magistral et des aventures rocambolesques, car la série ne s'arrête pas à un tome, évidemment il y a 10 tomes, et la série n'est pas terminée. Le 10 tome est sorti en août dernier. Et la série est à compléter avec une série animée qui pour le coup m'a fait beaucoup penser à Nicky Larson. Et du coup on suit la vie antérieure à la BD de Richard Aldana. Sa vie avant la rencontre avec Adriane et de Marianne, sa maman. Voilà, donc je vous conseille vivement cette série BD, elle est vraiment excellente, ça se lit très très vite, on s'y prend vraiment bien. Les dessins sont vraiment excellents grâce à un bon Bastien Vives. Je vous dis à bientôt dans un nouveau Grand Méchant Book.